Salut à tous et bienvenue dans Chassieux News, c'est parti! Au programme de la semaine, retour sur le derby de nos seniors contre le Réel et les matchs de nos juniors et cadets. Nos seniors recevaient le Réel pour la dernière journée de championnat. Nos bleus et blancs sont auteurs d'une très belle première mi-temps avec de belles envolées. Le groupe était dans la continuité de ce qui était proposé dans les intentions à Ambérieux. Le score est de 16 à 13 à la pause. Le changement de conditions climatiques en seconde mi-temps sera fatal pour nos chasselants. Ils sont défaits 30 à 19 dans ce derby. Notre réserve, quant à elle, ne réalise pas son meilleur match de 2023. Mais elle mène au score une grande partie de la rencontre. Le collectif se bat dans la fin de seconde mi-temps pour garder cet avantage. L'indiscipline coûtera la victoire à nos chasselants qui s'inclinent 19 à 15. Merci à tous les supporters venus soutenir nos chasselants ce dimanche dans le derby de l'Est lyonnais et ceux qui ont également participé au repas d'avant-match. Un grand merci à nos bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite. Nos nationaux se déplaçaient au 15 de la Dombe et à Commentry. Les cadets, après deux revers, réalisent un gros match au 15 de la Dombe. Ils mettent beaucoup d'envie et de caractère pour s'imposer 18 à 16 dans les derniers instants. Les U18, quant à eux, étaient dans l'Allier pour affronter Commentry. Le match est compliqué avec une mauvaise première mi-temps où ils sont menés 24 à 6. La réaction est présente dans le second acte mais n'est pas suffisante. Ils s'inclinent 36-18. Nos équipes ligues recevaient l'entente Feur, Montbrison. Les cadets s'imposent dans un match où l'attaque était à la fête. Ils remportent le match après être menés 31 à 12 à la pause. Ils réalisent une super seconde mi-temps et ils remportent le match 46-41. Les U18 réalisent leur premier succès de la saison en Ligue dans un match très serré et à suspense. Score final 31 à 29. Il vient récompenser le travail des joueurs et du staff. Les U14 étaient sur les terrains. Avinet pour la A, à Chassieux pour la B. L'équipe A réalise un tournoi d'un beau niveau en faisant preuve d'abnégation malgré les vents contraires. Le tournoi se solde par une victoire et une courte défaite. Le niveau B s'incline à deux reprises dû à un manque d'engagement de l'ensemble du groupe. Passons aux événements à venir. Notre école de rugby sera en tournoi ce samedi. Les U6 à Vénissieux, les U8 à Lasvel, les U10 à Chassieux et les U12 à Mézieux. Deux de nos jeunes seront avec les sélections U13 du département à Annecy, Cassandre et Raph. Nos équipes ligues reçoivent l'entente Loire-Sud ce samedi à Chassieux. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.